c'est juste là qu'il fallait que je mette. Pardon, excusez-moi. Re tout le monde. Bon, meunier, il y a un nouveau meunier en ville, les gars. C'est bon. Alors, j'ai fait ma petite première passe pour voir comment ça se passait. J'ai réussi à vendre, du coup, les 40 coques que j'avais, que j'ai chopé de monsieur. Je ne sais plus qui. J'ai même pas fait gaffe au prix, au tarot auquel je les ai vendus. J'ai même pas fait gaffe combien j'avais sur moi. On avait 40, 40 fois 95, il faut que je regarde combien ça fait. Combien ça fait 40 fois 95? Donc bref, donc j'ai bien réussi à vendre ce qu'il fallait. 40 fois 95, ça fait 3800. Je pense que j'ai ça, je vais aller voir combien j'avais. De toute façon, j'avais aucun, j'avais pas d'argent sale. Donc je vais à la banque. La banque elle est là-bas. Hop, la banque, on va les poser. On va voir combien on a fait. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense même qu'on est très bien. Donc 4, 40. 40. 40 coques qui sont partis en. Moi j'ai mis combien? Je sais même pas combien de temps. Ça fait tant que j'ai lancé. J'ai un quart d'heure. J'en ai lancé 40. Alors déposé, j'ai pas regardé combien j'avais. 5000? On n'est pas suffisamment d'argent, putain. 4793. 4793, les amis. Déposé. 4793. Hop. 3800 de faux billets. Donc c'est ça. Donc j'ai bien ça. Et il prend 20%. Ok. Sur 3800, moins 20%. Ça fait que je retourne 3000. Donc pour 2000 et moins 2000, je fais. Bah, sachant que là, 3800, il me les vend à 50, il m'a dit. 3800, c'est par 50. 76 pochons. Je double pratiquement la. Je double pratiquement le truc. Par contre, un truc qui me fait peur, c'est que j'avais un sac. J'avais un sac et ça me fait peur parce que j'avais un sac et je l'ai plus. Et pourquoi j'ai plus mon sac, je ne sais pas. Après que je vois avec je sais pas qui. T'es là, Willy Wills. Demander lui. Salut Adam, c'est Jacques, viens qu'on s'est parlé la semaine. Ah oui, est-ce que le Roger serait toi, Monsieur Shepard? Je pense qu'il faut que oui. Il faudrait poser la question. Vous cherchez du boulot. L'appeler, non?
Je l'appelle ou pas? On va plus. Je suis passé par là, moi. L'âge. Montagne. Oui, monsieur Kurt. Kurt? Vous allez bien? Ouais, je me permets de vous appeler parce que ce sera plus simple. Oui, je me permets de vous appeler parce que j'ai un petit souvenir là, quand vous êtes venu au magasin, il me semble. Disons que tout à l'heure, je suis. Peut-être que vous pourrez m'aider là-dessus. Hein. Tout à l'heure, je suis allé donc à un magasin qui vendait des sacs de sport et je suis parti sur le continent et quand. Je crois que le monsieur a pas dû prendre. Vous l'avez accroché au cintre ou pas le sac? Pas du tout. Ouais, il faut l'accrocher à un cintre du coup. D'accord, ok, il faut l'accrocher au cintre à chaque fois. Ok. Ouais, il faut l'accrocher à un cintre. En fait, pas à chaque fois, mais quand vous l'achetez, il faut l'accrocher à un cintre. Ah, d'accord. Vous voyez? Avec du coup avec le reste genre de votre tenue là, vous mettez votre pantalon, tout ça, et vous demandez au monsieur du magasin de vous l'accrocher au cintre, quoi, avec le sac. Ah ok, donc là je suppose que le sac il a remis dans le stock. Hein. Ouais, là je pense que ouais, c'est fichu, ouais. Ok. Bon Essayez d'aller voir quand même au magasin, au Superman, oui. c'est le Superman qui fait les sacs. Oui, c'est pour ça que je suis passé tout à l'heure et c'est vrai que je me suis dit bon ben Monsieur Kirt quand il était venu au magasin, je sais qu'il avait un joli sac et du Oui, coup tout à je fait. question. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir acheter un sac, ce Shepard? Ben, disons, c'est pour transporter un peu plus de nourriture, hein. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est quand je fais les livraisons, j'ai besoin d'avoir un peu plus de nourriture dans les sacs parce que c'est un peu le bordel. Bon, là, voilà, je me permettais de vous poser la question par rapport au Roger, hein, parce que voilà, je regarde un peu ce qui se fait sur le marché du travail, hein, pour être intéressant, quoi. D'accord, Parce ok. que Bah écoutez, bon. ouais, je pense que ça recrute chez Roger. Il y a encore eu un nouveau aujourd'hui, je crois. D'accord, ok. Ok, bah Donc, écoutez, je vais essayer. Vous mais pensez que si je passe directement au il y a la là-bas, il y aura DRH, du. ma DRH, elle est juste avec moi là, si vous voulez, je peux lui demander si on recrute. Oui, vous donnez pas mon nom, mais oui, vous pouvez. Ouais, d'accord, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Pas de Et soucis. tenez-moi au courant si jamais, voilà, si Attendez, je la vois plus par pas ça. contre. C'est Non, mais dommage. après, vous emmerdez pas, hein, sinon je me démerderai pour venir directement au dépôt, hein. Le truc c'est d'essayer de choper un DRH quoi. Du moins, mais ouais, venez au dépôt si vous croisez quelqu'un, il appellera le DRH. Mais je vais la Ok. voir, de toute façon, je vais la trouver, je vais lui demander. Ok, ouais, tenez-moi au courant, ce serait pas mal parce que bon, Ouais, bah, je ça vous marche. expliquerai Oui. ce qui s'est passé au restaurant. Voilà. Ah, vous voulez quitter le restaurant, ok, d'accord, pardon. Bah, non, enfin, disons que, je sais pas, il y a eu une D'ailleurs, restructuration ouais, pendant mon je vous ai absence. pas vu, ça fait un petit moment là, je vous avais pas vu. Ouais, j'avais des petits soucis pendant une centaine de jours, là. Donc, voilà, donc là, je suis revenu aujourd'hui, donc bon, tout va D'accord, pour le ok, mieux, quoi. ok très bien, super. Pas trop de c'était pas trop la santé mais bon c'était plus le mental quoi Bon, si c'est pas la santé, déjà c'est pas mal. oui c'était le mental c'était un peu la santé mentale mais voilà D'accord, très bien, voilà beaucoup ok, bah, tout va bien alors. bon et eh bien merci de me tenir au courant Ouais, pour sans problème. la partie embauche là savoir si votre DRH est par là parce que j'ai essayé en fait excusez-moi si je vous tiens là j'aime bien parler hein, vous. Vous savez, hein, vous, la dernière fois déjà, j'ai pagué pendant 1 heure et demie. Mais ouais, en fait, on peut pas les appeler, il y a écrit 555-Roger, et quand on tape ça, c'est qu'on peut pas les appeler. Hein, ouais. Donc, ouais. Comment ça? Et sur l'annonce du CNN, là, il y a écrit Roger recrute, hein, 555-Roger. Et. On peut pas le taper, c'est. Enfin, quand on tape 555 J'ai Roger, jamais ça. essayé, je vous avoue. Et. Essayez pas, ça marche pas. Ok, ça marche. Voilà, donc.
Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous dire de vous alpaguer hein, dans le sens du terme. Hein. Mais pas de souci, avec Parce que plaisir. Je sais que vous travaillez là-bas et peut-être que Ouais, voilà, non, vous non, aurez un non, peu mais plus écoutez, d'infos. je pose la question sans faute. Ok, mais merci beaucoup, monsieur. Non, avec plaisir, Monsieur Shepard. Merci, passez une agréable soirée, monsieur Et Kurt. la bonne soirée à vous aussi. Merci Si vous beaucoup. avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez, hein, comme on avait dit la dernière fois. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Sachez qu'en tout cas, vers Vanwood, les poubelles sont pleines. Hein. Si jamais vous avez une petite tournée à faire, voilà, n'hésitez pas non plus. Hein. D'accord, ok, ça marche. Voilà, quand je dis qu'elles sont pleines, vous prenez ce que je veux dire. Hein. Elles sont pleines Oui, bien entendu, de oui. déchets, hein, C'est sûr, bien sûr, d'accord. bien sûr. Ok, très Voilà. bien. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur Avec Kurt. plaisir, Monsieur Shepard. Merci, passez la bonne soirée, monsieur. Et la bonne soirée à vous aussi. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur Kurt. Bon, il faut que Monsieur Kirt y voit ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais vous prendre 5 boissons arc, 5 fake tea, et je vais vous prendre aussi, s'il vous plaît, 5 sushis et 5 yakitori bœuf fromage. Et ce sera tout, merci. T'as pris la commande? Non, je suis en train de faire les commandes. Mince. Je vous la redonne. Attendez. Ouais, y a pas de souci. Vous me redites comme c'est bon pour vous. Des felties, c'est ça? Il y avait 5 felties, 5 boissons arc, s'il vous plaît. 5 sushis et 5 yakitori au bœuf. Bah, je vais faire ça. Super, merci. Et bonjour messieurs. Yo. Et bonjour. Bonjour monsieur. Bonsoir. Oui, alors bonsoir. Merci. 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 Et merci. Et du coup, je peux vous payer en tickets nourriture et boissons? Ouais, bien sûr. Ouais, je vous donne ça tac, pour les boissons. Et pour la nourriture. Eh ben, c'est Et tout bon. normalement, le compte est bon, si je ne me suis pas trompé. Yes, c'est parfait. Et super, ben merci, bonne soirée à vous. Pas de soucis, bonne Et soirée. Bonne bon soirée, monsieur. courage. Au revoir. Salut, Roy. Salut. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombé d'un toit. Où? L'échelle était glissante. Ouais, alors le tournoi de boxe, qu'est-ce que ça donnait au fait? Bah, j'ai fini troisième, quatrième, quatrième, je sais pas, troisième, enfin en demi-finale quoi. Ok. Ah, tu... Le gars de CDT m'a répondu par arc. Bonsoir, vous pouvez passer quand faut full. Ah, parfait. Arc. Ah oui, il signe arc quoi. Bon, SBC, on peut passer chez eux d'ici un quart d'heure, 30 minutes max. Ok. Donc, on peut y aller. Ça marche. Qu'est-ce que je m'en ai mis? 1000 et.
700. Je vais. Ok, bah je prends l'argent et mets let's go. Roy? Ouais? Est-ce que tu pourrais me faire une facture de 50 $ CPG parce que j'ai pris des burgers j'ai pris des. Enfin, je paye un ticket mais j'ai 50 en rad. Est-ce que tu peux me faire une facture de 50 s'il te plaît? Ouais, ça marche. T'as noté en compteur? Ouais, je vais le noter là. J'ai mis 2 tickets et ça et plus les 50. Ok. Merci. Pas de soucis. Bah, je vais retrouver tout le monde. Et on est bon. Alors, toujours personne. Même s'il m'avait dit... Ah, occupé. Bon, je vais aller racheter le sac. Et quand tu l'achètes, il faut le mettre sur le centre. Ça veut dire, si je suis logique, quand tu l'achètes. Moi, quand je suis dispo. Acheter. Oh. Super bonito. Logiquement, si tu montes dans une voiture, elle est sous le siège. Ils parlent en codé à chaque fois, les mecs. Si je monte dans une voiture, elle est sous le siège.
Logiquement, il est sur le siège. C'est-à-dire quoi sous le siège? C'est des trucs. C'est quoi sous le siège? Sous le siège. Le sac et j'ai pas assez d'argent. Ah, j'ai pas assez d'argent. Pas retirer par là. Ah, c'est bon. Juste, je repars au magasin, c'est bon. J'ai le sac. Yes. Elle. Par contre, j'aurais dû le mettre dans tenue sauvegardée. Fais demi-tour. Hey friend. Hey friend. Oui, hey friend. Tac, se sauvegarder. Sauvegarder l'actuel. Merde. Hello, friend. Un capé sur la tête. Excusez-moi. Salut Jacques. Salut. Salut. Ouais, bonne soirée. Oui. En mode. Je sais pas ce que j'ai pas posé la question, mais tu voulais la récupérer? Ouais, je vais la récupérer. Ok, ok. Il faudra que je fasse un aller-retour vite. Comment va, monsieur Jacques? Eh, écoute, ça va tranquille. Hein. On fait le business, ça va bien. Et toi, ça va? Ah, bien, bien. Je savais pas que vous connaissiez avec. Ah, si.
Avec vous connaissez quoi? Avec Williams, pardon. Ah ok, d'accord. Tu me dis... Je te donne ça de suite, hein. Attends, je l'appelle, finis avec Jacques, je l'appelle. Bah là, c'est, je crois que c'est un truc pour moi. Ah, c'est pour toi? Ouais. Ah merde. Mais attends, on finit avec Jacques. Ouais, mais attends, on finit quoi? De la coco, je crois que tu peux faire un aller-retour. T'en as chez moi? Ah oui. Ok, alors attends, hop. Ce que tu m'as donné, là, je sais que c'est pour acheter. Ouais, ouais, c'est pour acheter. Ok, vas-y, je reviens. Je vais passer mon coup de fil. Ok, pas de soucis. Normalement, tout à l'heure, je suis passé, je sais pas combien ça pèse, j'ai pas regardé. Normalement, ça passe. 70, ça passe. Avec un sac, ça passe. Allez, on va essayer d'aller vendre ça. Allez, vas-y. On va aller ici. Ma voiture, tu m'as compris. Oui, moi. C'est un cousin éloigné de côté de mon grand-père. Il te l'a déposé. Exactement. Oui, je connais ça. C'est 3008, hein, tu m'as donné, mais d'accord. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir, hein, d'avoir des belles sommes comme ça. Ah bah, oh, ça peut monter vite, hein. Waouh! Il m'a coupé la route, ce col là! Sa caméra. Putain, je te jure, hein. Tu as un sac à dos? Ouais, j'ai un sac à dos. Hein. Okay. C'est pour ça, normalement, ça devrait passer, je pense. Hein. Ouais, normalement, c'est bon. Parce que je sais pas combien ça pèse, poche. Je crois que c'est 100 grammes, si je dis pas de bêtises. Non, attends. Faut que je vérifie ma feuille. Hop. Si je descends. Ça a pas l'air de faire beaucoup. 100 grammes, t'imagines un pochon 100 grammes. Ça veut dire que 76 kilos, 76. Pochon, j'ai. 7 kilos 6, non, c'est pas possible. D'ailleurs, j'avais 19 kilos, je crois. Peut-être 500 grammes. Pas mal comme voiture, ça aussi. C'est vachement bas par contre. J'ai quoi avec ça, tu as mal au dos. Pam poum, on coupe le moteur peut-être, non?
fais-moi rêver. 76, 76 fois 95. Il faut que j'arrive à amortir mes 2000 balles d'investissement. Bon, je les ai déjà, mais. Wynhood, c'est mon quartier là-haut. Je te ramène à la place. Hein. Non, non, c'est bon, t'en as pas. Ah, je te repose là. Oh, c'est bon, t'inquiète. Ah, nickel. Oh, bah, eh, merci. Mais Anton, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attends ou quoi? Il est où? Ah. J'ai eu mal de tête, je crois. Ciao, William, à la prochaine. Il y a des pop, je dirais que... Combien ça fait? C'est bon. 53 kilos. Ouais, faut pas se faire attraper, c'est juste ça. Est-ce que je pars en prison direct? Ça ne cesse, c'est beaucoup. Hein. Ce qui est con, c'est que tu peux pas l'enlever le sac. Ça. Là, je trouve ça un peu con. Je puisse pas l'enlever. On va faire un tour de la ville, hein, les gars. Ah. Allez, essayer de vendre là un petit peu. J'aime pas ça. Tu tournes la tête et... Le mec, il dépop. Tu aimes pas un petit peu toi?
Je le savais. Juste là. Voilà. Et là, j'ai fait une rasée d'un coup. Faut qu'on change de secteur. Que j'ai vendu d'un coup là. J'en ai vendu 16 de... 17 comme ça, vrai. Et toi? Ouais, on passe par les toits, mais il y a un mec qui veut m'en acheter. Shit!
Chier avec vos restaurants. Oh, je suis confiant. Oh. La plage, il m'a dit. La plage, je sais pas. La plage, je le sens pas. Ok, nada. Hola, que Dios lo bendiga. I think about it. En inglés. ¿Quieres bailar o qué? ¡Chingado! Regardez. Il est où mon client? Vers à gauche. Ouais, mais c'est que là, je suis plutôt flagrant. What the hell? Whatever. Whatever.
Dernier. Et lui. Dernière personne et je me casse. Tu peux partir toi? Je les vends 4 par 4. Hein. Ça va aller vite, je vous le dis les gars. Ouais, faut faire gaffe, pas trop de confiance. Tu regardes, tu analyses. Banhood, il me plaît ce quartier, je connais tous les recoins. À force de faire les poubelles. C'est là par le piéton. Il est devant. Où un bug. C'était un bug, messieurs. Dame. J'ai mal avec dame. Ou par là. Je vois Gilmore. Allez là. Donc on va jouer rapido. Une des trois là. Green là? Sûr que t'en veux. Bien sûr que t'en veux.
sais pas qu'est-ce qu'ils reçoivent les flics. Ils reçoivent genre des adresses ou un quartier. Je me pose la question. Sérieusement, 22h. Rentrer. Allez, combien il me reste? 27 à tirer. Combien là? 8. J'en chie. Pas pas mal. Après ça, il faut du stock. Hein. Tu fais un stock dans. Ouais, tu fais un truc genre. Un appartement là, je prends mes 80 000, j'ai réinvesti des suites. Wow, I'm chilled out about personal space and stuff, but you can't just walk into me. Trop d'interactions pour Jaco ce soir. Vraiment de la vente. Ce soir on est sur la vente. We want to sell. Ouf. Quand même que je vous mette les trucs. Ouais, ma ganache. On va essayer. Si j'arrive à les refourguer en entier, ce serait beau. Aujourd'hui, je suis payé 50$ de l'heure. Là, je me suis fait, je sais pas combien, en très peu de temps. Personne de ce côté. On va aller voir de ce côté là en bas peut-être. Ah ouais, j'ai un bug. Souvent ce bug là. Attends. Et arrive la canicule avec, n'oubliez pas de boire pour vous rafraîchir et en profiter. T'inquiète pas, je m'en occupe de boire, hein, d'ailleurs.
Tu vois, je suis tombé. Il était pas censé faire un orage là? Un peu de frais. C'est pour la semaine prochaine, faut jouer à Williams. Détritus. On s'en fout. Je veux pas te faire prendre avec tes trucs là. Balance la coque là. Combien il reste? Il reste 26. Dans le quartier, il y a personne, les gros. Tu dis un peu de monde par là. La Cécile, là. C'est qu'il veut de la bonne. Là, toi là-bas en jaune, tu en veux. Toi, tu en veux. Toi là, oh là 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 là. Toi, les deux là. Un des deux. Les deux. Hop. Ah, mais non, pas une dose. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me demander qu'une dose. T'en veux encore toi? Je crois que t'en veux encore. Ouais, regarde. Pas en bas là-bas. Pas en bas là-bas. Tu veux pas? Ça m'a pas fait le bug, on dirait que ça m'a. Il y a pas assez de monde. La plage, il y a gavage de monde, tu vas gaver plus vite quoi. Mais il y a gavage de flics aussi. Je crois que ça a rebugué. Ah putain, ça fait que bugger. Bon. La blanche. À chaque fois j'ai des bugs. Voilà. Ça me met des instances de drogue dans tous les sens. Du coup messed up.
coupe là. Là. La vente, quoi? Je me recrée une erreur. Voilà, arrêtez la vente. Et ce bug à chaque fois, ça serait c'est con parce que ça fait perdre du temps. Du monde. Voilà. Toi t'en veux toi. Un des deux là. Hey. Oh. Arrive par inadvertance. J'ai donné au mur. Oh là-bas. Non. Quoi? Allez. Ouais, vas-y, tu vois, tu lui dis fuck you. Du coup, t'es vénère, là, t'as envie d'en ride, tu vois. Normal, tu vois. Non, il faut que j'arrête. J'entends des sirènes au loin comme ça. Vaut mieux pas tenter le diable comme on dit. Hein, on s'assure le coup. Il y a du monde là. Il va y avoir un braco pas loin là. Ouais, j'ai encore le bug. Après au début là, Vinewood là-haut, bah, comme ça vendu, bah, 4, 3, 4, 3, 4. Ouais, il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste 13. J'aime pas. Pas ce chiffre. Vous êtes pas intéressé, mademoiselle?
un instant ça. Cherche dans le quartier. Ouais, ouais, mais je cherche dans le quartier, mais. Si, des fois j'ai des bugs. Un piéton veut t'acheter. C'est lui ? C'est elle ? Oui, c'est elle. Oui, je viens de passer devant moi. Écoute. Qu'ils ont un autre target en vue. Attends. Que j'entends depuis tout à l'heure, c'est une banalisée ou quoi? Remonter sur Vinehood, les gars. Plus vous restez beaucoup à 7 4 3 on n'en parle plus, merci, au revoir, j'appelle j'appelle le sol. Dans le quartier, et qui veut de la CC. Bam.
Tour habituel. Et après je vais faire 2-3 avec Autodog du coup. Bon, je vais voir chez Roger. Comment ça se passe chez Roger? Oh les gars! Personne ne joue ou quoi? Le jour ils sont à la plage. Je passe. Je passe. La Nude Street, vas-y, 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 là, il y en a bien. Il est où? De côté, là-bas, en plein milieu de la rue, là il n'y a personne. Allez, toi tu me prends 4 comme ça, voilà, hop. Prochain, toi là-bas, tu m'en prends 3. Mec dit. Et on n'en parle plus. Parce qu'elle est sur les toits un peu. On va la tenter. Hein. J'ai eu la chance. Allez, s'il te plaît, on finit ça. Il reste 2. Ah, les 2, tu les vois, tu les as vus, tu les as vus, tu les as vus. Allez, allez, allez. Allez, Jaco, il va, tac, tac, tu donnes, hop, on appelle. Comme Blanchi. À la banque. J'en reprends 40. J'en reprends 40. Allez, le dernier. Allez, c'est bon. Et puis, arrête de faire des bêtises. Oui. Allez. Je vais taper directement. Hein.
Il avait dit jusqu'à 22h, je suis pas sûr qu'il soit là. Tom, peut-être. Il y a des voitures qui tapent des câblas solo. Putain, là, il y avait du monde. C'est quand t'as plus de coque qu'il y a du monde. Vas-y, ça cesse là. On a foutré un peu plus de la coque là. Bon, 7000 bilan de la soirée, enfin du bilan de l'heure et demie. 5000$ à peu près, parce qu'il va me prendre 20%. 7000, bon, pas pour 6000 et quelques quoi. 6200$. 5800$. Je vais prendre 20%. 20% là-dessus. Là y'a personne. Sol. Peut-être. Message. Williams. On va voir avec Autumn, envoyer un message. Re-Autumn. Ah, il fait ça là, les. Qui sont tous les deux partis. C'est mes deux contacts. Ok, Sol. Ok, Sol, je sais pas. Oh, merci, Tata Katra, Tata Kadras. Merci pour le raid de 5 personnes. Bienvenue à tous. Bienvenue tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Je vous présente Jacques Shepard, les amis. Ah, si, vous prenez un coup à boire, hein, parce qu'il fait une chaleur. Hein. Je vous dis, hein, prenez un coup à boire. Hein. Hey yo, j'espère que ton live s'est bien passé, Tata. Ah ouais, salut Yuki, salut, comment allez-vous? Ah, buvez les gars, il fait trop chaud. J'en chie. Ils m'avaient dit qu'ils avaient prévu de l'orage, et laisse tomber. Salut Enir. Oh merde, j'ai pas su le lire, c'est trop petit sur mon écran de téléphone. Salut Eniram, comment vas-tu? Marine? Ah oui, Marine à l'envers, c'est vrai. C'est vrai. Il faut boire. Ouais, il faut boire. Exactement, il faut boire. Et de l'eau, hein, de préférence. Commencez pas à boire. Ta mère là, appelle la marine. Bah ouais. Ah, je peux l'appeler. Ouais. 13,50. Ah, ça, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. Ça commence à faire des toc-toc, à faire de la bite. Et n'hésitez pas si vous avez des points de bite, les trucs comme ça. Derrière, pour faire bouger les trucs derrière un peu. J'ai l'accent du sud, c'est normal, je suis du sud. Et même lui, et même Jacques a l'accent du sud. Hein. Jacques, il a l'accent d'ici. Je vous le dis. Donc ton live s'est bien passé du coup, Tata? Bon, oui, j'étais en train de... Merci pour le follow, Marine. Eniram, merci Eniram. Le bon accent à couper au couteau, putain. Ah, putain, go, laisse tomber, go, la guêpe. Laisse tomber, en plus, si je commence à te parler en patois d'ici, alors laisse tomber, miladiou, kefazet, et umbas. C'est un truc, tu vas rien comprendre. Ah, tranquille, bon, ça c'est bien, les lives comme ça, le petit live chill, tranquille, pépou, c'est pas mal. Moi, je suis un nouveau... Il y a un nouveau... Ah,
Aka, Aka, bonjour Aka, comment vas-tu Aka, Aka, Aka qui a donc son message personnalisé, hein, parce qu'à force, voilà, Aka, si je fais ça, merde, pourquoi ça me met ça, Aka? Ah non, mais me dis pas que, attends, je suis où là? Attends, je comprends pas là. Attends, mais c'est, en fait, c'est quand tu raids sur... Attends, attends, je suis où là? Modérateur, another user. Je suis sur quel chat là? Je suis sur un chat, je sais pas lequel c'est. Je suis gentil et bon comme le pain. Ah, mais tu m'étonnes que j'ai des problèmes. En fait, t'es obligé de tout couper? Mais non, je t'ai pas effacé, c'est que je suis pas du tout sur le même. Vous venez de... Je suis pas du tout sur attendez, hein. Là, je suis fait face à un gros problème. Connexion au chat. Ah voilà. Et là je fais AK. Akaneko, Akaneko. Akaneko, Akaneko. C'est toi qui as décidé de raid quand même. Ouais, c'est un boomer. Ouais, ouais. Oh, le papier internet. Non, mais en fait, quand tu raides quelqu'un, parce qu'avant, j'ai fait un live juste avant, et j'ai raidé quelqu'un. Et en fait, du coup, dans OBS, ton chat. Ton chat il switch en même temps sur OBS. Et j'ai relancé un live en fait. Et derrière dans mon OBS, j'étais sur le chat de l'autre live que j'avais host en fait. Enfin, que j'avais raid. Parce que mon. Enfin, tu vois, c'est. Et du coup, il faut que je. Enfin, il faudrait. En fait, il faut que je coupe mon live, que je coupe OBS et que je relance. Et bonne nuit Marina. Je sais pas si c'est bonne nuit mais. Oui, c'est le chat du gars qui switch. Qui switch. Puis ton début live, tu parlais à l'autre chat. Non, non. Non, non, en fait, je vous vois parce que j'ai mon téléphone. Je vous vois avec mon téléphone. Je me sers de ce chat-là. Je vois avec mon téléphone. Mais par contre, derrière mon OBS, eh bien, en fait, c'était le chat de l'autre. Donc, du coup, ça dit que. Non, mais non, pas dans 2 secondes, elle reviendra. Ça va, Aka? Wakaneko, Wakaneko, Wakane. Bon, par contre, j'aimerais bien blanchir mon argent. J'allais appeler Saul. Il y a une heure, je vais essayer de l'appeler. J'aimerais bien blanchir mon argent. Tu dévoiles toutes mes cartes. Ah ouais, vous connaissez par cœur ou quoi? Et ouais, c'est le but, c'est le but. C'est un délire en fait, voilà, Akaneko, c'est venu, et puis maintenant elle a son truc perso, tu vois, quand elle arrive. Je balance un petit AK, et puis après vous me haïssez toute la nuit. Vous me haïssez toute la nuit parce que vous avez toute la nuit cette chanson dans la tête. Yakalelo, 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 yakalelo. Garde une farte, garde une carte face cachée, Yu-Gi-Oh. Tu peux quoi? Non, ça marchera pas. En fait, le but, c'est qu'il n'y a que moi qui peux le faire. Il n'y a que moi qui peux le faire. Parce que sinon, tout le monde le ferait. Et on a eu essayé pendant un temps à le mettre. Et c'était le bordel. Tout le monde... Donc, il n'y a que moi qui le fais. C'est un truc personnalisé pour madame. Après, voilà, je mettrai peut-être des trucs VIP. Enfin, c'est pas je mettrai des trucs VIP, c'est que il y a les donne un cookie au monsieur pour qu'il le mette. Tu mets à danser pour qu'il le mette. Tu veux mettre quoi? Tu veux mettre AK? Tu veux mettre AK comme ça? Mais mets AK VIP. Oui, à la limite je peux mettre. Ah oui, mais je suis bête, je mets AK VIP. Attendez, je mets AK VIP. Je suis bête en fait, pourquoi on n'a pas fait ça depuis le début, AK? Je te mets VIP, et en fait je mets que toi tu peux le faire, et toi du coup à chaque fois tu... Par contre, déconne pas. Moi, je le peux pas comme c'est ma modo. Ah,
Ouais, mais t'as raison. Le choix doit pas se faire comme ça. Pour ça, ok. Mais le choix se fait pas comme ça. Le choix se fait pas comme ça. D'accord, d'accord. Le choix ne se fait pas comme ça. Regardez-moi, vous voyez mon front qui brille là. Vous voyez cette chaleur. Ouais, tu veux pas. Il faut le dire de suite. Et que fait Tata? Tiens, allez, on va se mettre un petit. J'ai envie de. Parce que vous allez connaître aussi. Tiens. Non, je vais pas le faire. Ah! Toi, t'es pas. Bon, personne ne répond. On va retenter une ultime bafouille. C'est un diamant tout choupidou mignon. Ah ouais, attends, c'est. Tout choupidou mignon. Allez, AK, allez, c'est bon. De toute façon, et vous savez quoi? Les rôles, ça va, ça vient. Voilà, au pire, je la mets là. Puis après, je la supprime dès la fin du live. Comme ça, au moins, elle verra rien. Akaneko, elle est où? Akaneko, là, bim, VIP. Et tu es VIP maintenant, Akaneko, dorénavant. Et maintenant, je vais là en stream. Et je mets, il est où? Akaneko, edit Twitch trigger. Je mets. Oui, il n'y a pas de souci. VIP. Non, c'est quoi? Il n'y a que le broadcaster mode VIP. Bah, donne. C'est un plaisir. C'est un plaisir, Aka. Normalement, ça doit marcher. Normalement, ça doit marcher. Fais-toi plaisir. Vas-y. Ah. Attention. Déconne pas. Déconne pas avec ça. C'est bon. Je sens que tu vas arriver des fois dans mes lives. Ça va me surprendre. Surtout et si je commence à faire des Outlast ou des trucs comme ça. Des trucs, tu sais, un peu flippants. Et tu vas arriver avec ça. Pam, pam, ça va me réveiller. Cash! Direct. Fais ça, je te supplie. Je t'en supplie, fais ça. Non. Ah, tu t'imagines le truc, c'est en vrai. Dans un jeu de. En plus, ça met. En plus, c'est bien fort pour mes oreilles. Le son, il est bien, bien, bien. Bien. Tu vois. Oh, y a personne au restaurant. Bonjour, monsieur. Vous souhaitez quelque chose? Il faut arrêter de rester sur le téléphone. Quoi? Une patate dans la bouche? Oh non, va-t'en, voilà. Bon, je ne peux pas blanchir mon argent. Il n'y a personne. J'ai pas envie d'aller faire un... Merci, Yuki! Yuki! Yuki Mikama 05! Ouais, j'ai fait... Oui, j'ai entendu le bruit de la porte. De touk, 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 touk. Et je me suis tourné quand même pendant une seconde. Je croyais que c'était là. Et à chaque fois, maintenant, comme j'ai mis la... Comme je suis un mec... Je suis un boomer, mais quand même, tu vois, j'essaie de monter un petit peu en technologie. J'ai mis le 5.1, le Dolby Surround, dans le casque. Donc du coup, la première fois tu m'as eu parce que c'était là, ma porte est là. Et la deuxième, merci Tata pour les follow. Merci pour les followers. Merci beaucoup pour les followers, n'hésitez pas, hein, voilà. Ça commence à y aller. Ça commence à tirer. Il faudrait que je le change d'ailleurs, le toucher, que je le mette un peu plus bas. You look like a gentille personne. So, je lasse mon petit follow. En plus, je pourrais être avec Aka. Oh oui, c'est mignon. Oui, je suis pas méchant. Je mords pas. Pas encore, du moins. Alors, je stream depuis pas longtemps. Je stream depuis 8 mois. Ça fait 8 mois que je stream. J'ai beaucoup streamé au début. Mais c'est là où j'ai connu Aka. J'ai beaucoup streamé du... Non, mais il n'y a pas de souci. Yuki, c'est ma fille. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est noté. Tu le sais que je suis bienveillant, Aka. Tu le sais. Tu sais que mes streams, c'est plein de bienveillance. Il n'y a pas de... Voilà. Et moi, je suis tranquille. Moi, être tranquille. Ouais, moi, c'est pas mal. Ouais, ça commence petit à petit. Comparé à la tata. Et du coup, ouais, je streamais au début sur...
sur Among Us, c'est là où j'ai connu Aka. On a fait des games ensemble et voilà, ça a bien matché, on a bien collé, il y a eu un bon feeling. Et donc voilà, donc après, bien sûr, la hype est un peu descendue du Among Us, ça c'est normal. On jouait beaucoup en fait, enfin on jouait beaucoup, ouais, on faisait beaucoup de parties avec Aka. Et puis après, voilà, elle m'a gentiment aussi fait participer à son live où elle regardait. Oui, sinon je les aurais pas amenés. T'es un gentil petit papy. Voilà. Mais voilà. Donc, et toi, Tata, du coup, tu apparemment tu stream depuis pas longtemps. Joli doigt dissimulé, tu sais. Ah ouais, je sais bien, je sais bien. Ouais, c'est le petit papy. Arrêtez de dire que je suis papy, putain, j'ai 35 ans, je suis pas un vieux. Ça me fait mal quand les gens me disent t'es vieux, tu vois. Moi, dans ma tête, je suis resté bloqué à 19, tu vois. Je suis resté bloqué à 19. Bah ouais, ça va. Ah, en fait, il est pas gentil, il fait des doigts d'honneur, l'enculé. Non, mais 35 ans, je suis pas vieux. Ah, bien, et du coup, tu fais quoi comme contenu, Tata? Ah, mais Aka, j'ai l'habitude. Aka m'a fait tourner en bourrique, elle m'a fait des trucs. Je jure, elle m'a fait tourner en bourrique. Parce que moi, comme un con, je fous des alertes avec des beats et tout le machin. T'as 20 ans de plus que quelqu'un ici. Que Yuki. Pour moi, à partir de 30 ans, on est vieux. Ok, Yuki, y a pas de souci. Tu verras quand t'auras 30 piges en or, on parlera. Je sais pas quel âge t'as, mais si dans 30 piges, c'est dans 15 ans pour toi, ça veut dire que j'en aurai 50. Ah, c'est. Sims 4, Binding of Isaac, Crash Bandicoot, je suppose. Marble et du React. Ok, ouais, un sacré bordel. Mais c'est bien, mais tu t'éclates au moins. J'espère que tu t'éclates. Un gloubi-boulga. C'est quoi? Tata, par contre, tu dois pas être toute jeune parce que un gloubi-boulga. Casimir. Hein. Même moi, j'ai pas vu Casimir. Hein. C'était l'époque de mes parents. Un gloubi-boulga. Ah, voilà. Tu vois, t'es pas si jeune que ça. 26 ans, c'est 26 ans, c'est vieux. Et 26 ans, c'est vieux. Bon, je fais quoi moi? Hein? Je fais quoi moi? Ah ben voilà, Marine revient. Ah, Marine revient. Elle est là. Eniram. Eniram 1357. Il faut le lire à l'envers aussi ça? 7531. Qu'est-ce que ça représente? 7531. Paris-Toulouse? Oui, mais c'est sûr. Ouais, là les gars, enfin, je tourne en rond, hein, je vous le dis. J'ai pas envie d'aller faire des hot dogs là. J'ai pas envie d'aller faire mon truc. J'ai envie de me casser de cette boîte en fait. Et là, je peux pas vendre de la dope là. Je peux pas vendre de la dope. Personne qui peut me prendre là. La dope. Je vais vendre de la dope. Lui, il fait que lui, tu crois qu'il en fait lui? Non, je vais pas tenter de rappeler Autumn. Allez, Autumn, dis-moi que t'es là. Dis-moi que t'es là, s'il te plaît. Oh, la limite avec 2T. Pourquoi tu mets de la limite avec 2T? Je ne sais pas. Dans la limite du raisonnable, sans limite de prix, dans la limite de. Et les gars, sérieusement, le français, un petit peu le français, ce serait pas mal. Déjà, le monsieur, il a 35 ans, pas 36. Donc, eux, tu sais même pas calculer d'abord. Oh là là. Non, mais. Bon, et moi sur ce, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'en chie. Franchement, j'en pète. Là, j'ai fait 1h30 de live, mais j'en chie. Mais d'une chaleur. Mais d'une chaleur. Je sais pas quoi faire. Il me resterait combien à faire encore? 22h30. Il faudrait que je fasse 1 heure en plus de stream. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, vas-y, je vais faire quelques hot dogs. Et puis voilà. Je vais faire quelques hot dogs comme ça au moins. Eh bien, ouvre la fucking porte là.
Mais il fait 65 tout à l'heure. Combien de cafés sur moi? 4 cafés. Donc je pourrais en faire 40. Je vais en faire 30. Ah, je vais en faire 30. Ça fera déjà un aller-retour avec la machine. Avec la machine. Oui-je? C'est des mots. Oui-je? L'est-il? Oui, pas, tu lis. Et ben, en fait, Marine, elle vient, elle te dit, ouais, en fait, je dois vraiment y aller. Elle part. Première fois, elle revient après, elle te dit, non, mais en fait, je dois vraiment y aller. Aussi. Pas de... pas de problème. Hein. Par contre, est-ce que j'avais ma fin de service, moi, je sais pas. J'avais fait ma fin de service. Moi. Voilà Douglas, non? Voilà Douglas, on va se faire un copain. Jacques pour la centrale. Non, c'est le jeune, il est connecté. Ouais, Douglas, je pars en patrouille un peu à faire des hot dogs, hein. D'accord. Faire de vitesse. Et à fond, à fond, à fond. À fond. Allez, on va faire une petite partie. On va se faire une petite partie de hot dog. Douglas. Ah, vous allez vivre ma vie de hot dog man. Mais bien sûr, mais après, AK, je te fais confiance, tu fais ce que tu veux. Mais c'est juste le spam, tu vois, après... Ah, c'est sûr que si tu commences à me le faire toutes les 25 secondes, non. Et je te connais, t'es assez intelligente, tu vois. C'est vrai que... Ouais, c'est exactement ça. Ah, je te dis, je l'ai fait et ça a été l'enfer. C'était l'enfer. Il y avait des gens qui étaient... C'était rigolo, tu vois. C'était rigolo. Et après, voilà, quand tu commences à le faire un paquet de fois... Eh, félicitations monsieur, vous avez votre permis champagne. Attention dans le coin parce que ils sont à moitié con en face là. Ouais, ok, pas de problème. Et bonne soirée monsieur, et bravo pour merci, le permis. Merci. Vous avez le permis. Bip 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 bip. Oula, qu'est-ce qui se passe d'un coup là? Quoi ce split de personnes là? Y'a un attentat ou quoi? Non mais tu te souviens, tu le connais Axel, il vient souvent sur mes lives Axel. Vladimir Mirguez. Typiquement, Vladimir Mirguez, voilà, il... Des fois, il vient et lui, c'est typiquement le genre de personnage qui serait capable de le faire, tu vois. Il serait vraiment d'enchaîner, tu vois. Ouh. Typiquement. Spamming. Mais qu'est-ce qui se passe?
Comment ça se fait d'ailleurs que j'ai pas dû boire un café? Yakalelo, yakalelo. Excusez-moi, hein. Ah, va faire, tu vas jouer la chanson Yuki. La majeure, fa mineure, si dièse, pas du tout. En acoustique, c'est en mode acoustique. Yakalelo, yakalelo. Yakalelo, yakalelo. Si dièse. Oui, si dièse. Je suis même pas sûr que ça existe, si dièse. Si bémol, oui, mais si dièse, ça me semble bizarre. Oui, mais j'ai compris. J'ai compris, hein. Même moi, c'était pourri. Hein. Qu'est-ce que c'est ça, se balader en ville depuis tout à l'heure? Quand on arrive en ville, les gens changent. Oui, je sais, je sais. Je sais que c'est moi qui ai dit si dièse, mais je suis même pas sûr que ça existe en musique si dièse. Ah. Si dièse égale do. Oui. J'ai ouais, je sais jouer. Je sais jouer. Disons que j'ai fait du solfège pendant des années. J'ai fait 8 ans de chant. Donc après jouer, j'ai une guitare. Et bon, je sais pas jouer. Et comme tout le monde, j'ai acheté une guitare. Je sais faire deux morceaux et puis voilà, ouais, pas plus. Bah, j'ai pas persévéré dans le truc. Je chante, oui, je chante. Tu m'as souvent entendu chanter, je chantonne moi, m'a jamais chantonné. Allez, j'attends ta blague. Chante au nez. Onaise. C'était pas des cours, dis donc, j'ai fait. J'étais dans un truc religieux. J'étais jeune, tu vois, j'avais pas choisi. J'avais pas choisi. Donc on faisait des. Pendant 8 ans, là, c'était répète mercredi, vendredi. Et puis après, voilà. Donc j'ai fait. Non, mais après, j'ai fait des bons trucs, hein, franchement. Ça a été une période un peu chiante. Ça a été une période un peu chiante en termes de. Non, mais ça a été vachement chiant en termes de religion parce qu'au final je suis pas. Bonsoir, Thomas, début de tournée. Ok, Thomas, pas de soucis. Mais reçu. Ça y est, j'étais perdu. Oui. En fait, c'était le côté religieux qui m'a traumatisé. C'est pas du tout. J'étais jeune, tu vois, demande pas à une jeune personne de croire. Ou quand t'es jeune, à 8 ans, tu crois pas en Dieu. À 12 ans, tu crois pas en Dieu, il te faut un peu plus de maturité pour croire en un être supérieur, tu vois. À 8 ans, on va dire Dieu existe. Tu vois, tu vois, tu vois.
Donc si elle s'était sous couvert de ça. Donc il y avait des messes et tout, ça me prenait la tête. Les chants religieux étaient très beaux, tu vois. Ça me prenait la tête de me taper 1h30 de messe là, de voir. Tu vois, c'était un peu. Oui, voilà, c'est possible. Non, mais c'est possible, mais moi je le voyais pas comme ça. Et du coup, après, il y avait des chants. Donc, t'avais les chants religieux, on va dire la messe le dimanche, quoi. Ça. Depuis que j'ai arrêté, je suis plus jamais retourné à la messe. Et tu as. Quand on faisait des concerts, tu vois, le samedi et tout. C'est-à-dire que, quand même, j'ai été gâté, puisque j'ai quand même fait le Zénith de Toulouse. Avec Pierre Bachelet. Tu vois. Et pas non plus Pierre Bachelet, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même grand artiste, on va dire. Pas non plus, c'est pas la superstar, mais grand artiste. J'ai fait l'enterrement de Nougaro. Enfin, j'ai fait une émission sur France 2 pour qui représentait un hommage à Claude Nougaro. D'ailleurs, j'ai toujours essayé de trouver les images, jamais réussi à les trouver. Donc j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait la messe commémorative d'AZF, tu vois, c'était pas mal. Le lien de l'émission, disons que je me souviens même plus du blast de l'émission en fait. Tout le monde a mon revue. Ah ouais, mais après j'ai des photos, ouais. Photos où je suis. Non, mais après je te dis franchement, j'ai fait des trucs stylés. Bon voilà, c'était. Il y avait toujours ce côté religieux qui venait casser le truc, quoi. Tu vois, fait pas enregistrer un CD en studio, par exemple, tu vois, c'est pas tout le monde qui va enregistrer un CD en studio. Bah, typiquement, voilà, on l'a fait avec le truc et c'était sympa, tu vois, c'est une expérience particulière. Et voilà. Je te dis, c'était une émission avec Michel Drucker. Alors, je te donne des indices, hein, des indices de recherche. Émission avec Michel Drucker sur la 2, un hommage à Nougaro, à Claude Nougaro. Voilà. Ah, et tu cherches les petits chanteurs à la croix potencée. Voilà. Tu arrives à trouver ça. Et tu vas me trouver quand je suis minot, tu vas avoir ma ganache, tu vas comprendre. Hein. Nous censés. Non. Je vous parle trop fort, j'ai madame qui va au lit. Potencé. Potencee. Voilà. Les petits chanteurs à la croix potencée. Et Nougaro, ça s'écrit pas comme ça. Hein. Avec l'explication. Ah, mais t'es sur ton téléphone, toi. Y'a un problème avec l'explication? C'est juste, mais ça passe. Exactement comme ça. Potentiel. C'est quoi, si tu cherches bien, il y a un site internet. Dessus, il y a des photos. Et tu es nomiste, tu peux réussir à me deviner. Le truc qu'il y aura, c'est que j'ai ce qu'il y aura mon nom de famille. Garder l'anonymat sur l'internet, tu vois. Jamais. Et j'en ai déjà trop dit. Ça, c'est secret, c'est. J'en ai trop dit ce soir.
Mais bon, faut pas avoir honte de ça. Y'a toujours des trucs, l'anonymat. T'aimes bien couper les mots en deux, toi. Ou l'anonymat. T'as pas fait ça. Je fais ça et je m'arrête parce que. Les hot dogs, j'en ai fait 10. C'est plus Richard Nano, Richard Nano. Richard Nano. Je l'ai pas. Un peu foufou les gars. C'est un PC, je trouve. Ça fait. C'est un PC. Bon camion bus. Un van de livraison. Où Mister Flo? Attends, il faut que je vais y fermer là. J'ai fermé la porte de la pour parler un peu plus fort. Bonjour, ça va Mister ou quoi? T'as la pêche? Comment s'est passé ton live? Comment s'est passé ton live Zelda? Ah, déjà ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que ça va mieux. Et je vois ça, ouais. Je vois sur Zelda en ce moment, je me dis, oh, il doit se régaler. Et t'attends, parce qu'en plus, il y a les nouvelles annonces là. Attends, je baisse un peu son. Ouais.
Y a une nouvelle annonce qui sont sorties, non? Y a pas Zelda 2 ou Breath of the Wild 2 qui a été annoncé ou je sais pas quoi, y a plein de. Parce que c'est la gueule le truc là. Ah oui. Tu vas te régaler quoi. Non, pas Zelda 2, Breath of the Wild 2. Je sais pas, je l'ai pas fait moi. Et je me pose la question, c'est un truc qui s'appelle Yuku, ou Yuzi ou Yuzu ou un truc comme ça que tu utilises, Mister. Y'a pas un groupe illégal dans la casse d'été. Dans la casse où j'étais. Ah, non, c'est le Roger là-bas. Je crois que c'est. Enfin, je sais pas. Je crois pas parce que sinon, enfin, je pense qu'ils auraient changé les points de livraison, on n'irait pas livrer là-bas. Yuzu, voilà, Yuzu, Yuzu. Yuzu, j'ai regardé un petit peu. Ouah, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Enfin, moi, j'ai jamais vu de gonzes là-bas. Donc, après, peut-être qu'il y a des gonzes, hein, peut-être qu'il y a un groupe d'illégal, mais j'ai jamais vu. Bon. Faut que je vois tout ça. Et toi, GTA, tu fais une pause ou quoi? Non, il faut que j'appelle Edouard. Jacques, il a besoin de m'appeler Edouard. Chat, attendez, il y a un chat qui veut sortir. Hein. T'as pété, non? La flamme de ouf de RP en ce moment. Elle m'a lâché une louffe. Je l'ai soulevée. Elle m'a lâché une petite louffe. Ouais, des fois ça arrive. T'as des petits creux RP comme ça. Ah ouais, ça fait du contresens, balèque là. Ah, t'as eu un petit. Ouais, ça arrive. Après, c'est ça, c'est. Ouais. On va faire ça, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut, hein, se suivre les deux là. Après, voilà, de toute façon, ce qui compte, c'est aussi. T'éclates quand tu stream. Quand tu stream, quoi. Même hors stream, tu vois, le but c'est que tu t'éclates quoi. C'est sûr que quand ça commence à être un peu répétitif et machin. Après moi je te dis, moi j'ai jamais eu d'expérience RP, toi ça va, t'as fait une expérience RP avec Ad Astra. Donc déjà tu sais où amener ton personnage et comment le. Tu vois. Tu sais comment le travailler dessus quoi. C'est encore un peu flou des fois certaines actions. Tu crois, est-ce que tu penses que c'est pas parce que justement comme tu disais que t'avais vachement kiffé Ad Astra. Et est-ce que c'est pas justement est-ce que tes attentes ont pas été trop hautes? Non, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce que finalement, je sais pas comment dire ça de manière polie, mais. Polie, je sais comment le dire, mais au final, tu t'es fait à l'idée de quelque chose parce que tu t'es basé sur ton expérience que tu avais eue sur Ad Astra. Et du coup, ça gâche ton plaisir, mais du coup, ça entache un peu ce que tu voulais faire, quoi. Peut-être, hein, je fais de la psychologie de comptoir, mais peut-être un peu de ça. Moi, j'ai pas cette sensation-là parce que justement, je n'ai jamais fait de RP. Et encore, j'ai jamais fait du RP. Avant, Félix, j'étais sur un serveur, et c'est sûr que des fois, j'ai quelques trucs qui me manquent.
Je sais pas. T'imagines. On va faire ça, monsieur. Ouais, 5000 heures, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oui, t'as peut-être fait le tour, c'est pas le terme. Fais jamais le tour du RP. Pas du tout le terme. Mais voilà, tu. T'as peut-être une pause et peut-être recharger un peu l'inspiration aussi. Non. C'est ça, mine de rien, nos personnages, il faut qu'ils aient une inspiration, il faut que tu leur traces un destin, et derrière, après, ça demande aussi pas mal d'efforts, cérébrales pour pas trop t'y perdre et faire en sorte que toutes les actions que tu lui as fait prendre soient en corrélation, et pas un truc qui pêche. Après, je pense que ça vient de manière naturelle, mais au début, moi, des fois, dans la tête. Mais bon, en tout cas, je suis content de savoir que tu vas mieux, que. T'étais vraiment pas bien la dernière fois, je suis vraiment ravi que ta santé aille mieux, quoi. C'est un bon signe. Très très bon signe. Du coup, il te reste beaucoup à Zelda, t'as bien avancé, comment ça se passe? Même pas mis de son, les gars. Dans la WEC. Coucou les gars. On peut par ici, hein. C'est pas ça là, les flics. Il y a combien d'heures en tout? Je suppose que t'as l'histoire, t'as un certain nombre de temps, et tu dois avoir le chat qui veut rentrer, tu veux sortir, faut faire un choix. Oui, tipi. Oui, il faut faire un choix. Tu rentres, tu sors. Et voilà. Dans la porte, quoi. 550, 600 heures. Ah ouais. Ça, je pensais pas autant. 600 heures de jeu. Bon, tu me diras, ils ont mis du temps à le sortir. Au moins, tu n'as pas pour ton argent, quoi. Quand tu l'achètes, bien sûr. Ah, dégage. Je pensais pas autant, franchement. 600 heures, même 60 heures d'histoire. Déjà que The Witcher, je l'avais eu pour 50 et quelques heures. Ou je sais plus combien. Je sais plus combien j'avais fait. D'heures. C'est un chat là, le roi. Mais non, mais. Excusez-moi. Je vais finir ça, je vais partir au pieu parce que j'en peux plus. En fait, c'est ça. Moi, j'aime bien les jeux qui ont. Enfin. Un jeu qui a masse d'heures, c'est bien, tu vois. Un jeu qui a masse d'heures, c'est bien. Ça prouve qu'il y a quelque chose, tu vois. Qu'il y a une histoire, qu'il y a quelque chose à trouver derrière et tout. Et du coup, quand tu te les lances. Enfin, moi, c'est surtout ça. C'est quand tu te les lances en stream. Ce qui m'embête, c'est que. Comme j'ai pas beaucoup de créneaux de stream. Bah, du coup. Je vais bouffer les gens, je leur fais bouffer du The Witcher pendant la dernière fois, tu vois, j'avais fait bouffer du The Witcher, alors j'essaie de faire des grosses sessions, tu vois.
Là, je faisais que l'histoire principale et j'ai pas fait les histoires secondaires, j'ai bâché. Enfin, j'ai bâché. Et voilà, c'était mode rush quoi. Rocher l'histoire principale, on en faisait ça ensemble, on fait rocher, toujours pareil, en regardant les cinématiques et tout le bordel quand même. Hein, pour que tout le monde suive. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu lourdeau. C'est pour ça, les petits jeux, des Little Nightmares ou des trucs comme ça, franchement, en ce moment, je sais pas pourquoi. J'adore ces genres de petits jeux, là, on a fait Limbo il y a pas longtemps. 3h30, c'est des petits jeux, mais là, tu fais un stream, deux streams dessus. Tu changes bien de tout seul, j'ai fait deux streams dessus. Voilà, tu vois. Heures de jeu, c'est pas mal. Limbo, c'est beau, hein. Limbo, franchement, j'étais agréablement surpris par le jeu. Franchement, même si c'est un jeu qui joue avec les nuances, des couleurs et tout. Franchement, j'étais agréablement surpris. Même l'histoire et tout, l'histoire est pas mal. T'as une drôle de manière de faire un demi-tour, monsieur. Ah, Little Nightmare, franchement, si tu l'as pas fait, Mr. Flo, Little Nightmare. Hein. Franchement, le 1, un stream. Je sais pas combien de temps, généralement tes streams durent. Mais ouais, Little Nightmare, un stream tranquille, 3 heures. Et après, par contre, Little Nightmare 2, compte 2-3 streams. Mais voilà, l'histoire est folle et le contexte, franchement, c'est pas mal. Là, je regarde, il y a Insidious. Il y a Lucius, y a des jeux d'horreur un peu, tu vois, un peu. Là, j'aimerais bien les faire aussi avec vous. Sympa. Neuf hot dog. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Les points communs, il y en a, hein. Ça reste. Ça reste dans le fond à peu près la même chose. Mais déjà graphiquement c'est pas du tout la même chose. Merde. La patte graphique est pas du tout la même. J'ai l'impression que je vais pas au bon endroit là. Je sais pas. Oh, il me fait passer. Ah, c'est mid-roll, ok, tu l'as fait toi. Ouais, après tu sais, comme je dis, je suis pas en multigaming, donc et des fois tomber sur des jeux à la con, ça me fait pas peur quoi. Après, il y a Lucius 1, Lucius 2, Lucius 3. Du coup, tu sais déjà ce que tu vas faire après, Mister ou pas? Déjà, enfin, je sais que c'est un peu abstrait d'en parler comme ça, c'est-à-dire. Déjà, il faudrait commencer, comme tu dis, à 35 heures de jeu, t'as 60 heures, bon, t'as la moitié, ça va vite, hein, tu me diras. Est-ce que t'as déjà l'idée de ce que tu vas taper, après comme jeu? Un style peut-être, ou une franchise? Tu les as pas vu les autres? Moi, j'ai vu sur Instant Gaming, t'as Lucius 1, Lucius 3, c'est juste, ça va jusqu'à Lucius 3. Donc avoir on parle bien du petit enfant là, du gamin, on est d'accord hein. Ok, c'est ça. Dans Instant Gaming, ils y sont.
Le guide de Satan. L'égide ? L'égide, le guide ? Le coupâtre à marchand. Ah, le gosse. Si je verrai. En plus c'est des jeux qui sont pas si chers. Enfin, ils sont pas si chers que ça, tu vois. J'attendrai le mois prochain. Là je vais me focaliser un peu sur GTRP là. Pour essayer de faire pour débloquer quelques trucs avec Jacques. Voilà. Pour que Jacques puisse débloquer quelques trucs. Et après je verrai. Déjà essayer de faire en sorte que tu montes un petit peu dans le. C'est qui Jacques? Jacques c'est mon personnage? Shepard? Toi tu suis toi? Une heure t'es sur le live, t'as même pas calculé, t'as même pas regardé le titre du. Le titre du live en fait. En dessous tu sais. Jacques Shepard. Jacques. Et c'est Jacques Shepard. Ah, il faut que j'arrive à faire évoluer Jacques, hein, dans son destin. Alors, ce qu'il veut faire. Ah, bah, tu sais, Jacques, je suis Jacques. Donc, je suis IRL, là. Hashtag I am Jacques. Non, Shepard, Jacques Shepard. Shepard, Jacques Shepard. Jacques Chirac, non, ça va pas ou quoi? Ça va quoi? Jacques a dit? Jacques et. Jacques et Michel. Jacques et Michel. Pas trop fait de dégâts hein, sur plus de la saleté que des dégâts hein. Le camion je vais pouvoir le ramener comme ça hein. Moi j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que j'ai pas eu besoin de boire un café ou un truc comme ça. En plus c'est chelou. C'est chelou. Le monde t'insulte sur la route, c'est mérité. Ah oui, c'est normal, c'est GTA, hein. Ça reste GTA. On te voit juste courir en rond pour livrer. Bah oui, j'arrive, je cours en rond, je passe devant le point et après en bas la barre se remplit. Je vais pas rester à attendre comme un tristou devant, hein, sinon je l'ai fait au TW, je pensais je le faisais vraiment en mode RP, tu vois, je sortais du capteur. Mais je vais te faire le point comme je le faisais avant. Et j'ai fait le delta, comment dire, temps. Je dis mort. Je m'étais, pour faire ce que je fais aujourd'hui, que je mets 40 minutes, c'était une heure. Je gagne 20 minutes. 20 minutes, tu t'imagines? Regarde, je vais te faire comme je faisais avant. Ok? Avant, je faisais ça. Voilà.
comment je faisais avant. Grande terme de temps. Je reçois un appel, pas de soucis. Qui t'appelle à cette heure-ci? De toute façon, il reste pas beaucoup de temps, je vous le dis. Il reste quoi, les 10-15 pour parler avec vous. Où t'as foutu ton numéro de téléphone encore, toi? Où t'as foutu encore ton numéro de téléphone? Vous parlez-vous, vous êtes de quelle région? J'aurais dû lui dire, je suis. Actuellement, je suis. Tu lui fais croire que t'es gavé loin et qu'il va payer. PCF, tu dis, rappelez-moi. Un numéro PCF, tu sais. Il paye à Tialarigo. Ah ouais? Je pense que ça, c'est. Maladie du AK, ça. C'est parce que t'as trop. Depuis que t'es passé VIP, je crois que. Non, bah après, tu peux lui demander de manière tout à fait cordiale et tout. Tu lui dis bonjour, voilà, bonjour Fabien, bonjour. Où avez-vous mon numéro? Par quel biais avez-vous mon numéro, tu vois? Bonjour Fabien, bonjour. Par quel biais avez-vous mon numéro? J'ai paniqué. Passer loin. Ouais, tu lui dis, tu sais, tu dis genre. Ou tu décroches. Tu dis bonjour brigadier, brigadière machin, tu vois. Tu vois, tu fais genre t'es flic, tu vois. Bonjour. Oula, merci pour le raid, Kéziar, merci beaucoup, bienvenue à tous. Ça va pas durer longtemps les gars, je vous le dis, mais bienvenue à tous. J'espère que ça va, merci. Merci pour le raid. Comment s'est passé ton live, Kéziar? Comment s'est passé ton live? Et tu fais croire que t'es une flic, tu sais, une fliquette. Coucou, bienvenue les gens. Asseyez-vous, buvez de l'eau, hein, les gars, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, on a bientôt fini notre tournée de hot dog. C'est pas très passionnant cette fin de live. Mais je n'arrive pas à blanchir mon argent. Mes contacts ne sont pas là. Donc là. Voilà, bah j'ai fini, je crois. J'ai fini de faire mes 30 hot dogs. Voilà, vous arrivez pile poil. Même parce que vous allez arriver. Vous allez arriver. On va aller vite à Fou Béni. Ton live s'est bien passé, Kézia, du coup. Ben moi ça va, tu vois, ça se passe bien, je suis content, j'ai passé le step, enfin, j'ai, Jacques a passé le step, step up, ouais, il est passé à un niveau un peu plus important, papy maintenant, il donne la drogue à, ça quoi, hein. Vous êtes pas bâtard, alors? On essaie. Alors, j'ai pas vraiment le temps de prendre une chaise, m'asseoir avec vous. Oh là. Parce que j'attends qu'on répare mon taxi d'urgence, mais. Et bonjour, messieurs, dames. C'est pas possible, ça. Bonsoir. Pas fou, dis donc. Hein. Non, mais. Qu'est-ce qu'on fait? On se transmet des trucs ici? Il y a des clusters, oui. Mini clusters ou quoi? Je sais pas, ça parle de bâtard. De bâtard? Bah, moi, je suis moi. Moi, je suis. Qu'est-ce que vous Bonjour le nouveau. Bonsoir monsieur. Ah mais je vois qu'on s'occupe déjà de mon camtar là-bas.
Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Mais ne vous approchez pas de nous, monsieur. Ah putain. Bah là, vous êtes un bâtard. Voilà. C'est moi qui étais premier. C'est moi le premier. Bah oui, c'est moi le premier. Là, oui, ah oui, 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 oui. Ah oui, là, c'est vrai que je suis un bâtard. Ah oui, j'ai appelé les docs. Okay, ah merde, mais vous êtes malade. Je suis comme, je m'approche comme un con, moi. Bah oui, on est malade. Ne vous approchez pas. Attendez, mais. Oui. Ça peut, mais ça va, j'ai pas. Peur, hein. Ah, mais moi, mais. Je touche du sang. Oh, vous avez des bourrelles? Oh, non, je touche du sang. Du sang? Il est con, lui, j'ai pas mis vu. Le mec, il s'arrête con. Mon dieu. Mais qu'est-ce que vous êtes arrivé? T'as dit, vois qui? Mais vous avez quel âge? Vous êtes un bâtard, non? C'est un peu foufou, il est un peu foufou votre collègue, non? Oh que oui. Vous voulez pas postuler au Lespidier et patrouiller avec lui? Je pense que ça va être un peu difficile, hein. Ah merde, dommage. Quelque chose sur la voiture de police là-bas? Non, elle a été faite celle-là. Okay, c'est juste que le lieutenant là-bas, il est pas bien, hein. Enfin le lieutenant, je sais pas s'il est lieutenant d'ailleurs. Non. On va dire... L'officier supérieur là-bas, il a pas l'air dans son assiette. On dirait qu'il a, il a le ben complètement plein là-bas. Et du coup, j'hésite à prendre la voiture et partir et le laisser là. Ah ouais, ah ouais, et ça se. Et faites-le. Bonne soirée. Bon chemin. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça peut être pas mal. Hein. Bonne soirée, monsieur. Ciao, Bilo. Malosto, vous parlez fort. Mais on s'en fout. Salut Yosuke, salut! Comment ça va? Merci pour le follow. Ah oui, ouais, prenez la voiture et partez. Hein. Je crois que je vais faire ça, ouais. Non, on va se continuer ici sinon. Et ils ont pas mis la combinaison, ces messieurs du SMS, non? Ça, c'est pas mon problème après. C'est peut-être monsieur Balosto qui a mal précisé le besoin. Monsieur Balosto qui quoi? Qui a peut-être mal précisé le besoin en radio ou en SMS. Ah oui, peut-être, ouais. J'ai pas écouté. Il a dit qu'il y avait plusieurs malades. Bon, c'est pas très explicite. Oula. Et voilà, il est en dernier. Voilà. Hey, ah ouais. Chez Balosto. C'est celui qui a demandé. Chez Balosto. Oh, merde. Bah, chez quand même. Ah, mais c'est monsieur Balosto. Mais oui, mais d'accord. Je le connais. Enfin, je le connais. On s'est croisé déjà. Il m'a interviewé quand. Ouais, il m'a interviewé. C'était quand je venais d'arriver, il faisait un truc pour un lieu, pour quelqu'un, apparemment un supérieur qui demandait comment sont arrivés les nouveaux sur San Andreas, quoi. Hein. Balisto, oui. Balisto, c'est... Il est plein d'énergie, monsieur Balisto, ouais. Balosto, hein, ben et L-O-L-O-S-T-O. Y'a pas de I. Oui, je sais où vous venez. Y'a qu'à l'élo. Ouais. Et la baisse, Ramdou, ouais, comme on dit. La baisse, ouais, vous êtes chrétien? La baisse. Ah, la baisse. La baisse, Rouya. Vous baissez qui? La baisse, la haute, ça dépend après, comment, devant la caste, comment vous êtes né, quoi. Hein, mais moi, c'est la baisse, moi. Oh, toujours à la baisse, hein. Toujours à la baisse. Hein. Ouais, toujours. La bonne baisse, alors. Merci. Allez, bonne soirée, ouais, messieurs, dames. Bonne soirée. Au revoir, merci. Ils sont fous. Il est fou, Balosto, il est fou. Il est fou, Balosto. Mas cette police. Hein. Découvrir grâce à Waki et Kezia. Ah bon, mais je savais pas que. Mais voit qui? Mais qui voit là? Tu vois qui, tu fais du RP?
Je me souvenais plus que tu faisais du RP. Ok, c'est pas ça. Moi ou quoi? Et moi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouh, Waki, ça va? T'as l'air la musique? Oula. Ah! Ouh! Je l'ai vu last time. Dernier moment. Dernier moment, je l'ai vu. Non, mais je pensais que Kéziar faisait du truc sur du RP. Qui était sur Félix, Kéziar. Parce que tu me dis. J'ai connu grâce à. Bon, ouais, c'est bon, on retourne pas au Bénig. Hein. Ça va. Il a rien, camion. Camion, il a rien du tout. Merci Kézir, merci Kézir pour le follow, man. Thanks guys. Allez, rentre comme il faut. Voilà, 73. Allez, on va faire ça. On va se mettre bien. Pas du tout, j'étais sur... Outer Wall, j'ai cherché quelqu'un à raid et c'est Waki qui m'a mis. Ah, mais c'est gentil, merci Waki. Merci Waki, merci, dites merci à Kaneko pour vous avoir fait sauter de votre chaise. Voilà. Vous la remerciez. Hein. N'hésitez pas à lui faire peur avec des sons, des points de chaîne tels que. Elle va t'énumérer les trucs tels que ça. Mais merci, je pense. En fait, je pensais que Kézia, je pensais que t'étais sur Feli 5 en fait. Ah, bah c'est cool, il est sur Feli et tout, il a son stream. D'accord, et bah tu sais, Outer Wild, en plus, je voulais le prendre parce que ça fait partie des jeux. Ça fait partie du style de jeu que j'apprécie. Et du coup, je voulais le prendre, donc j'irai voir ton live juste après. Ah ben le but c'est que ça gueule. Hein. C'est le but d'un truc qui fait peur, c'est que ça gueule. Hein. De toute façon, un truc qui fait peur de base, c'est que ça gueule. C'est que d'un coup, bam, ça t'explose les feuilles. C'est le seul intérêt. Et bien voilà, et tu vois, je vais aller voir. Je vais aller voir parce que j'avais envie de le faire, donc c'est parfait, tu vois. Et je vais aller voir de ce pas. Pas de ce pas là, parce que là, tiens, j'en ai fait deux. C'est bon. Mais là j'ai sauvegardé, je vais voilà. En fait tout le monde m'a raid, j'ai pris 3 raids ce soir, 2 raids, et on va partir raid quelqu'un, voilà. Donc le raid qui vient d'arriver, donc c'est un pote aussi, c'est un pote IRL, en fait c'est Adam Kurt dans le jeu, c'est un pote IRL, il s'appelle Zskunk, on va le raid parce que là je vais aller voir, je vais arrêter le live, je me reste 20 minutes, je vais aller voir la rediff de Kéziar. Voir Outer Wild parce que ça me traficote, puisque là je vais rien commencer. Et donc voilà, donc pareil, vous passez, vous lui dites un petit bisou, un petit machin, vous lui faites un petit doigt et puis vous vous cassez, vous faites ce que vous voulez, enfin, non, faites pas ça, parce qu'après voilà. Mais voilà, c'est juste une manière de donner la force, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci encore pour ces raids, merci, hein. Franchement, ça fait chaud au cœur de faire raider, c'est toujours. Attention, pas trop spoil, ce qui est intéressant c'est justement la découverte personnelle, exactement. Donc voilà, donc je vous laisse, on va aller le raid. D'accord, ah, t'as vu l'évolution qu'il y a eu dans le stream. Au début c'était juste, ça bitait comme ça, mais il n'y avait aucune interaction. Maintenant quand tu bites, il y a ça derrière, quand tu follow, il y a des trucs, ça bouge, elle habitait, les gars, la Kaneko, elle habitait. J'ai bité. Oh, Jao Herm pas vu. Bruh. Alors, là. Je
Alors, je sais pas si c'est pareil, si c'est une bonne idée, parce que ça pourrait. Bon, après, moi, ça va, c'est dans mon dos, c'est pour vous que ça. Que si ça fait du beat non-stop, un peu relou. Mais voilà, quoi. On va aller sur la chaîne de Zskunk, les amis. Là, ça m'égaisse. Il est où, là? Open game. Je vous embrasse. Je vous dis encore merci. Encore merci pour votre soutien indéfectible, là. Merci à tous, on se retrouve bientôt, je ne vous dis pas quand, parce que je ne sais pas, la semaine prochaine c'est sûr, cette semaine je ne sais pas encore, peut-être j'essaierai de faire un live samedi matin, avec Jacques Shepard, pour avancer un petit peu. Des bisous Yuki, des bisous Aka, des bisous, merci à Marine pour le follow, du coup merci à Aka pour les beats, merci à Yuki du follow, merci à Tata du follow, merci à Yosuke, merci Kéziar pour le follow. Merci et Marine et Minard et Niram, putain j'ai du mal à le dire, et Niram. Et merci à tous de voilà d'être passé, toujours ça fait toujours plaisir de et ça fait toujours plaisir voilà d'avoir du monde qui passe sur le live, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent, restez juste s'il vous plaît, on va enfoncer sur le live d'un pote. Vous y allez, vous lui balancez 2-3 emojis et vous vous cassez. Vous faites ce que vous voulez. Bisous. Je vous embrasse, ciao tout le monde. Hop, on lance le raid. Lancez le raid. Dès qu'on est bon, on est go. Je vois 6 spectateurs, 7 spectateurs. Allez les gars, allez. N'hésitez pas, les gars, n'hésitez pas. Ça mange rien, c'est juste un truc. Si on est, voilà, allez, monte là. Allez, on y va, bisous, je vous embrasse. Ciao. Yo, Ch'ti Jeff, ça va ou quoi, mec? Merci du follow, bienvenue à toi. Hey, yo, Ch'ti Jeff, ça va ou quoi, mec? Merci du follow, bienvenue à toi. Hop, et là, bonsoir. Et là, bonsoir. Oula, 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 ah ouais, non, mais ouais, le raid, wesh, ça va ou quoi, Zinc? Ça va ou quoi, les gars? Ah bah, vous arrivez pile poil au bon moment, ma foi, ou pas, hein, d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une tentative de quelque chose, effectivement. Cimer pour le raid, le dieu. Ah, braco ou pas braco, hein? Ah bah, braco. Combien? 20 secondes avant d'entendre les. Avant d'entendre les gyros, quoi. Bon, faut que je cours à droite. Ma moto, elle est derrière. Mais je vais jamais y arriver. Je suis prêt à taper mon meilleur sprint. C'est honteux. Ah, bon, mais oui, c'est Calico. Clair. Comment allez-vous, messieurs? Ça s'est bien passé pour vous? Vous avez passé une bonne soirée? Vous avez vendu de la drogue? C'est pas beau, hein? C'est pas beau, la drogue, hein? Ah, parfait, ça